Votre combat face à Daniel Sam, c'était donc le 24 novembre dernier. Il est un petit peu passé à la postérité, ce combat. Il est devenu viral sur les réseaux sociaux. Ouais. Et le rappeur Booba en a même profité pour en faire un tube. Depuis, vous vous invectivez beaucoup. C'est un jeu avec Booba ou c'est il y a une réelle animosité? Non, Booba, c'est quelqu'un que j'aimais bien comme ça. Il écoute sa musique, il fait son petit truc comme il veut, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, on a l'imitation racaille. Je veux dire, il y a les imitations à Kaya, la Benzema et compagnie, les petits rebeux renois qui disent parce qu'ils ont un faciès, ils s'inventent une vie. Alors que des blancs, des noirs, des saucisses-là qui n'ont pas des faciès, ils n'ont pas de trucs, ont vécu beaucoup plus qu'eux. À un moment donné, quand tu sors en centre de formation à 12 ans, je vais revenir après à Booba, à 12 ans, t'as rien connu de la cité, parce que jusqu'à 12 ans, on est tous ensemble, on calcule pas. C'est après que les choses se corsent. D'accord? Donc après, ces mecs-là, ils veulent s'inventer une adolescence, une vie, des souffrances qu'ils n'ont pas vécues. Alors, je mets des casquettes à l'envers, regarde, vous, vous avez joué des putains du club, vous avez été champion du monde, etc. On vous a jamais vu faire votre baratin, faire des trucs, etc. Il y avait déjà du rap, il y avait tout ce qui bouge. D'accord? Ouais. Maintenant, ces mecs-là, c'est la génération fils à papa. Tu vois ce que je veux dire? C'est les fils à papa. Vous êtes arrivés. Vous avez mis tout le monde bien en guerre en 98. À partir de là, il y a eu des pubs Danone, il y a eu des trucs, jamais vous passiez, jamais on voyait ça avant. Après, Thierry Henry, tout le monde passait dans les pubs, sponsors, tout ce qui bouge. Et ces mecs-là, après, on a voulu faire le phénomène de mimétisme. Et on a eu le nouveau Zidane dans l'affaire des trucs de Benzema, le nouveau tel. Enfin, marketing. Et ils ont tout gratté. Et c'est la preuve, ça a été leur. Au lieu d'avoir les deux yeux sur terre, ils ont boum, truc. Eh ben, Booba, c'est le même truc. C'est Patrice, gens, avant que vous nous répondiez justement sur Booba, on va écouter le tube qu'il a réalisé. Ah, mais là, vous allez vous l'énerver, là. Comment on va me casser, les filles? Bon, Daniel Sam, t'as sodomisé, j'étais au stress, je voulais mon choix. J'en sais pas les mères, sauf celle de Patrice Carter, on a un train. Daniel Sam, t'as sodomisé, j'étais au stress, je voulais mon choix. Ouais. Bon, ben voilà. Attends, j'ai un sillon qui a passé au tout, je vais te le présenter après. Ah, mais t'inquiète pas, regarde. Là, il fait le bon, c'est que ça va, je vais te le présenter. J'ai eu à dire. Il est au troisième. Regarde d'où je viens, Benzema, Booba, même combat, imitation, racaille, j'ai hâte de balle. Booba, c'est un enfant, un petit-fils à papa qui était à Boulogne-Billancourt. D'accord. Le petit garçon n'a rien connu de la cité. En fait, pour moi, c'est Reconcours. C'est des mecs qui ils se sont inventés une vie de haut en bas. D'ailleurs, j'étais filmé à Boulogne-Billancourt tout à l'heure. C'est super beau. Il n'y a jamais eu aussi beau. D'accord. Parce qu'il faut savoir, les gens ne connaissent pas Boulogne-Billancourt. Le mec, il a réussi à vendre Boulogne-Billancourt, qui est l'une des villes les plus riches de France. C'est vrai. Il a réussi à te la vendre comme si c'était la grande bande, là où je suis né. Non, mais il est trop fort. On dirait que ce mec-là, avec ses casquettes à l'envers à 40 ans, le mec, il est en train de faire. Il s'habille comme un adolescent. Même les gamins, ils s'habillent plus comme ça. Bon. Maintenant, ça s'invente des vies, ça veut tuer, ça veut jouer. Truc. Moi, il me parle de tuin, mais moi, j'ai quelque chose. Qu'est-ce que ça fait? La femme à Booba. Mais parce qu'à un moment donné, il faut savoir qui est qui. Hein? À un moment donné, t'as vu, tu chantes des chansons, tu racontes ta vie, ta vie sur Internet, l'invitation Zoulou. Et qui, entre vous, j'ai vu sa femme sur, comme ça sur Internet? Sciemment, gratuit à l'œil. Attends, tu travailles pour elle, lui? Tu travailles pour qui? Pourquoi tu fais ça? Donc à un moment donné, t'as vu, moi, à un moment donné, t'as allez, vu... c'est bon, coupe. Sa femme, oui, c'est un dossier. Sa femme, c'est un dossier. Donc, tu l'as chauffé. Gérard, c'est ta pote, tu l'as chauffé. Je t'attendais, tu l'as chauffé. Mais oui, tu l'as chauffé, voilà. Comme il t'a attendu au tournant, voilà. Sur moi, elle est fou, c'est quoi. La bonne réponse.